Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Hogwarts Legacy. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, écoutez, on va essayer de poursuivre la quête principale et puis peut-être essayer de faire une ou deux petites quêtes secondaires. Avant ça, une petite chose que je devais faire depuis un moment, mais que j'ai un petit peu laissé passer. Hop, je devais mettre le nourrissoir. Ça s'appelle comme ça. Ouais, quelque chose pour nourrir. Pour les nourrir, en fait. J'ai étudié le livre de sorts de Salazar Serpentard. Retrouve-moi dans la crypte. Hop. Je fais une découverte. On va mettre ça là. Voilà, comme ça. Hop. Comme ça, ils vont se nourrir eux-mêmes. Voilà. Ensuite, au niveau des quêtes. Alors, bah écoutez, il y a ça, il y a... Les créatures magiques avant de pouvoir dire au professeur Wing que j'ai terminé son devoir et apprendre. Ok. Ah oui, il y a celle-là aussi. On pourrait continuer avec Sébastien. On peut faire ça, ça, et puis repartir un petit peu sur la quête. Ok, on va aller faire cette quête-là. Hop. Alors, qui se situe... Par ici. Ah, il y a une autre quête ici. Bon. On va bien voir. On va déjà faire ces trois petites quêtes... Enfin, petites, j'en sais rien, mais... ces trois quêtes-là. Ça va nous permettre d'avancer un petit peu, je pense, dans les sorts magiques. Et puis, dans l'histoire... avec Sébastien, et puis donc dans l'histoire principale. Et puis après, on va voir où ça va nous mener. Si ça se trouve, j'arrêterai à peu près vers ce moment-là. Je rêve que le directeur prenne sa retraite, et que le professeur Weasley le remplace. Rébellion. Non, c'est par là. Ah oui, puis j'ai cette petite quête là aussi à faire. Attendez, on peut peut-être faire ça aussi entre temps. Hop. Bonjour Samantha, tu es là pour jouer au plateau d'attraction ? Oui, je suis assez douée pour ça. Je jouais tout le temps avec mon frère à l'époque, jusqu'à ce... peu importe. Alors, on peut commencer ? Oui, ça me tente. Dans ce cas, c'est parti. Mon frère va mieux grâce à toi. Et il m'écoute désormais. Il semblerait qu'avoir des betteraves à la place des... Accio ! Je l'avais pas vu venir. Hop. J'ai les bleus. Ouais, j'ai les bleus. Bon. Oula. D'accord, faut éviter les... ok, j'ai pas compris. Oui. Tiens, mange-toi ça. C'était incroyable. Et oui, c'est ça. Ok, attends. Waouh, ça va être chaud, hein. Bah, je suis premier, donc en fait, j'ai juste... Bah, même si elle tombe, c'est pas grave. Hop, ça, c'est fait. Comment je vais rattraper mon retard? Eh bien, c'est la fin. Ouais, comme tu le dis.
Après ta débâcle contre Nati en classe, j'ai pensé pouvoir te battre. Mais je me suis apparemment surestimée. Ouais. Ne dis pas ça, Samantha. Tu es une bonne joueuse. Soyons modestes. C'est gentil à toi de dire ça. Mais si je suis douée, c'est que toi, tu l'es encore plus. Je sais qui tu vas devoir affronter ensuite. Et elle ne plaisante pas. Je te souhaite bonne chance. Pénétration duel 2. Ok. Alors. On partait sur quoi déjà? Sur ça. Hop. 80 mètres. On va pouvoir y aller à pied, hein. On va pouvoir chipoter. Ah, attendez, il y a des cadenas ici. Il y a ça à débloquer. Non, on l'avait déjà débloqué, ça ? Voyager était incroyablement pénible avant que ça. Ah, bon, niveau 2. Et là, niveau 2. Ok. Très bon travail aujourd'hui. Le cours est terminé. Ah bon ? C'était rapide. On manipule vraiment trop de boost dans ce cours. Je suppose que vous voulez apprendre un... J'ai terminé ce que vous avez demandé, professeur. J'aimerais apprendre Bombarda. Excellent. Une petite mise en garde néanmoins. N'utilisez ce sort qu'en cas d'absolue nécessité. Le sortilège d'explosion peut s'avérer très dangereux. Ne le lancez pas à tort et à travers. Oui, bien sûr. J'y veillerai, professeur. Croyez-moi, je compte bien m'en assurer. Il vous faudra faire preuve d'une extrême précision dans votre geste, au risque d'y perdre une main. Allez-y. De beaux mouvements réguliers avec la baguette. N'oubliez pas, le sortilège d'explosion est très sensible. Bon, ça va être chaud. Ah mince, loupé. Allez, accélère. Ah. Comment j'ai merdé dès le début. Hop, voilà. Mais je comprends pas, la souris à chaque fois ça loupe. Bravo. Passons à la pratique à présent. Ouais, youpi. Allez-y, faites un essai sur les citrouilles. Allons-y sur les citrouilles. Hop. Bombard. Vos mouvements sont excellents. Oui. Lancez le sort exactement comme cela à chaque fois. Un geste assuré et maîtrisé. Professeur, puis-je vous déranger un moment ? Oui. Qu'y a-t-il ? Je me demandais d'où venait cet intérêt pour les créatures magiques. Avez-vous dans l'idée de faire carrière dans ce domaine ? Oh, non. À vrai dire, non. Mais j'aimerais savoir comment vous en êtes venu à choisir cette voie. Je vois. Chercher à comprendre ce qui a poussé une personne à choisir sa voie est tout à fait louable, j'imagine. Je pense qu'au moment de choisir sa voie, en particulier de nature académique, il faut tenir compte à la fois de son intérêt pour un sujet particulier et aussi de la manière de servir au mieux les élèves que nous devons à la fois inspirer et instruire. Bien sûr, professeur. À quel moment votre voix vous est apparue clairement ? Je m'en souviens très bien. C'était l'été entre ma 6e et 7e année. J'avais lu dans la Gazette qu'un sorcier qui vendait des œufs d'Okami
avait disparu dans les montagnes près de chez moi. J'avais entendu parler de l'Okami lors de mes études, bien sûr, mais ceux-ci sont natifs de pays plus orientaux, comme l'Inde. Je me demandais s'il était possible qu'un Okami se trouve dans la région. Alors, je suis partie à sa recherche. Trouver un Okami dans les montagnes m'a l'air d'être difficile. En effet. Après quelques jours, pendant lesquels mes parents étaient de plus en plus agacés par mon absence, j'ai trouvé ce qui restait du sorcier qui vendait les œufs. Il était près d'un trou dans un arbre. Et à l'intérieur, il y avait un nid avec 7 œufs d'Okami argentés. Qu'avez-vous fait avec ces œufs ? Rien. Les créatures sont appréciées pour ce qu'elles peuvent fournir aux sorciers. Des vêtements, des ingrédients et même des cœurs de baguette. Seuls les braconniers mettent fin à la vie d'une créature pour quelques galions. Je n'ai pas touché aux œufs. Je me suis cachée. Et juste après, l'Okami a volé au-dessus de ma tête. C'était incroyable. Il a ensuite disparu, j'imagine en rétrécissant pour se glisser dans le trou. Ça paraît incroyable. En effet, j'ai su à ce moment-là que je me devais d'apprendre tout ce que je pouvais sur les créatures, afin que les sorciers apprennent à les apprécier à leur juste valeur. Bon, je pense avoir répondu à votre question. Vous devriez continuer votre étude des créatures, quelle que soit la voie que vous choisissez. Les créatures et tout ce qu'elles apportent amélioreront grandement votre vie et la sauveront même peut-être un jour. Je m'en souviendrai, professeur. Merci. Ok. Alors. Non. Alors, allons... mince, c'était où ? Dans l'ombre de la découverte. On va aller ici. Alors, là, c'est juste là. On va essayer de continuer aussi hein, donc les quêtes de Sébastien, voir où ça nous mène. Peut-être un nouveau sort de magie noire, qui sait. Alors, peut-être pas aussi rapidement, je pense pas. Quel plaisir de vous revoir. Réveillon. Ah. On a ça juste là. Ah bah tiens. Oh, je l'ai loupé. C'est la première fois que je le loupe, hein. Voilà. Non, je sais plus combien j'ai dit qu'il m'en manquait. 4, c'est ça ? 5 ? Je sais plus. Réveillon. Alors... J'ai oublié quelque chose par là, non, je pense pas. Enfin, j'en sais rien. Allez, on va par ici. Ah oui, c'est vrai. Ok. Allez. Où est-ce qu'il est ? Ah, il est là. Et là, qu'est-ce qu'on a déjà ? Je sais plus. Bon. On va lui parler. Tu ne croiras jamais ce que j'ai découvert. Qu'as-tu découvert dans le livre de sorts trouvé dans le scriptorium ? Le livre de sorts de Salazar Serpentard était difficile à interpréter, mais fascinant. Évidemment, il encourageait l'apprentissage de la magie noire à Poudlard. À l'époque, les sortilèges de mort et de l'Imperium n'étaient pas impardonnables. Selon lui, les élèves devaient être prêts à utiliser la magie noire, et non la craindre. C'est pour ça que j'ai dû utiliser Andoloris pour accéder au scriptorium. Il réservait ses connaissances aux personnes qui ne redoutaient pas la puissance de la magie noire.
Je sais que c'était nécessaire pour ouvrir le scriptorium, mais je ne le referai pas. On a bien fait, parce que dans le livre de sorts, j'ai trouvé autre chose. Il fait référence à une relique perdue qui, de ce que j'ai compris, octroie à celui qui la porte le pouvoir d'annuler les mauvais sorts. Et tu penses que cette relique pourrait sauver Anne ? Précisément. Je compte partir à la recherche de la relique. Mais nous ne devrions en parler à personne. Surtout pas à Hominis. Il ne comprendrait pas. Je ne vois aucune raison d'impliquer Hominis. Content que tu sois d'accord. Dès que j'en saurai plus, je t'enverrai un hibou. Ok. Ne t'en veux pas pour Hominis. Il vaut mieux que ça reste entre nous. C'est pour son bien. C'est moi qui décide de ce qui est bon pour moi. Hominis, on était sur le point d'aller prendre l'air. Tu viens ? Tu es un menteur, Sébastien. J'ai tout entendu. Tu as juré de ne plus jamais rien faire en rapport avec la magie noire. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que je comprenais. Je jure que jamais je n'arrêterai d'essayer de guérir Anne. Tu ne sais pas quand t'arrêter, hein ? Je sais quand je ne dois pas m'arrêter. Laisse-moi tranquille, Hominis. Je ferai mieux d'y aller. Réveillon. Je ne vais pas lâcher le morceau. Hominis, Sébastien voulait bien faire... Je sais ce que j'ai entendu. Vous saviez que je ne serais pas d'accord. Partir à la recherche de la relique est une mauvaise idée. Sébastien ne le réalise pas, mais il se comporte de manière aussi irresponsable que ses parents il y a quelques années. C'est pour ça qu'ils sont morts. Pauvre Anne et Sébastien. C'est pour ça que je ne comprends pas l'insouciance de Sébastien. J'ai presque perdu Anne. Je ne peux pas perdre Sébastien aussi. Je vous en prie, restez à l'écart de tout ce qui a trait à ce livre de sorts. Les références du livre ont l'air prometteuses. Tout ce qui a trait à Salazar Serpentard semble prometteur. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. J'espère que Sébastien arrêtera ses recherches. Mais si ce n'est pas le cas, je t'en supplie, dis-le-moi. C'est très important. Ok. Bon, on repart, apparemment. Hop. C'est fini pour là. On va partir sur la quête principale. Ou pas. Ah, si, c'est bon. Ok. Réveillon. Pas un truc par là ? Ah non. Est-ce que ça je l'ai fait ? Il y aura un. Non. Ok. Alors. Quête principale. Tout feu, tout flamme. Rencontrer Poppy. Hop. Carte du monde. Waouh. J'ai rien du tout par là. Le plus proche, c'est celui-là. Je crois qu'on arrive dans une zone un petit peu plus compliquée, là. On va voir. En ce moment, je fais pas beaucoup de quêtes secondaires, donc... Enfin, de petits objectifs... en parallèle. Donc c'est vrai que... Bon, pas beaucoup de niveaux. Hop. Hop, c'est parti. Je sais très bien. Rockwood ne se rendra pas si. Ah.
Allez. Allez, non. Boum. Mieux que tu puisses faire. J'ai abattu plus de créatures que moi. Mais savais-tu venir ici? Regarde. Infection. Allez, prends ça. Hop là. Tiens, hop. Ok, et toc. Réveillon. Bon, on a les petits coffres. Ok. On va boire un petit coup, tiens. Hop. On a ça là. Ok. On a un sac là-bas. Pourquoi qui fait ce bruit là? Ok. Ah mince, je me suis trompé. Ah. Oh non, bon, elle est par là. Wow. Là. Allez, avance. Non, tu veux pas? Bon. Hop. Allez, on attend. Elle Céleste va bien? Nati m'a raconté ce que vous avez fait.
Elle, Céleste, va bien. Je garde un œil sur elle. Elle est en sécurité, Poppy, je te le promets. Bien. Je ne sais pas ce que préparent les braconniers, mais je veux la tenir à l'écart. Tu as dit que tu avais du nouveau sur les braconniers. Et pourquoi ils en avaient après moi? Tout à fait. Je les ai entendus parler à la tête de sanglier. Tu savais que Victor Rockwood leur avait ordonné de te capturer dès que l'occasion se présentait? Ça a quelque chose à voir avec le comportement de Rockwood et Harlow aux trois balais après l'attaque du troll? En quelque sorte. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as appris sur les braconniers. Très bien. Mais j'espère que tu me diras si tu as besoin d'aide. Surtout après ce que tu as fait pour elle, Céleste. Est-ce que le nom Olmagiar t'évoque quelque chose? Je crains que non. Pourquoi? De quoi s'agit-il? C'est le secret le mieux gardé des braconniers. Le nom a été mentionné à deux reprises, mais je n'ai jamais pu obtenir de détails. Je les ai aussi entendus se vanter de tout l'or qu'ils gagnaient. Aux dépens de pauvres créatures innocentes, sans doute. Les braconniers ont parlé de cette zone. Et je pense que si on la fouillait un peu, on en apprendrait plus sur leur manigance. Si un jour tu rencontres ma grand-mère, ne lui parle surtout pas de ce périple. Il n'y a pas de danger. Ne t'en fais pas, Poppy. Si je rencontre un jour ta grand-mère, je ne lui dirai pas un mot de tout ça. Normalement, je lui dis tout. C'est ma meilleure amie après elle, Céleste. Mais elle sait ce que je pense des braconniers. Je pense qu'elle a peur que je fasse quelque chose d'inconsidéré. D'où peut bien lui venir cette idée? Par ici. Allez, on y va. C'est parti. Réveillon. Un centaure. Fais bien attention. Mais non, ils sont gentils. Un château entier où errer et vous choisissez de venir vous aventurer ici. Je vous en prie, nous ne voulons pas d'ennui, nous sommes juste de passage. Qu'est-ce que vous croyez? Que nous ne remarquons pas qu'il y a de plus en plus d'humains par ici qui sont de mèche avec les braconniers? Nous n'avons rien à voir là-dedans, bien au contraire. Nous essayons de les arrêter. J'espère pour vous que c'est la vérité. Nous perdons rapidement patience avec les braconniers et ceux qui les aident. D'accord, d'accord. Réveillon. C'était un sacré charmeur. Ça aurait pu être pire. Les centaures n'apprécient pas tellement les sorciers. Et les braconniers n'arrangent rien. Pourquoi penserait-il que nous avons quelque chose à voir avec ces braconniers? J'ai vu les braconniers discuter avec quelques habitants de Priolar. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être ce qui rend les centaures méfiants. Oui, il y a plein de choses par là. Ah, ouais, j'en étais sûr. Réveillon. Bon. Ah, tu vas attendre deux secondes, je vais aller chercher ça. Voilà. C'est la troisième fois que je vois un fangieux aussi violent. Ces derniers temps, de nombreuses créatures ont l'air plus agressives que d'habitude. J'ai remarqué, moi aussi. Je me demande ce qui les met dans cet état. Réveillon. Pas moi. Hop. C'est bizarre. Comment pas ça? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas sûre, mais regarde partout. Si les braconniers étaient ici, nous pouvons peut-être découvrir pourquoi. Pourquoi ils n'ont pas pris leur cage avec eux en partant? Réveillon. Mal. Il y a toujours de la fumée. Ils ont dû partir il y a peu. Des peaux. Pauvres bêtes. Ici. C'est du métal gobelin. Ça n'a rien à faire dans un camp de braconniers.
Je devrais en informer Poppy. Il y a quelque chose ? Non. Il y avait des braconniers. J'en ai la preuve. Mais j'ai trouvé autre chose. C'est de fabrication gobelin. J'ai trouvé une armure de gobelin. Continuons à chercher. Mais prudemment. On ne sait pas ce qu'il se passe ici. J'ai un mauvais pressentiment. Prudence, c'est mon deuxième nom. Oui. Quel pourrait être l'intérêt commun des gobelins et des braconniers ? Regarde, là-bas. Ce sont des braconniers. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire ici ? Ah, je vois pas de créatures. Il faut qu'on aille voir de plus près. Ils ne vont pas être contents de nous voir. Devrait-on utiliser un sortilège de désillusion ? Ou une approche un peu moins discrète ? Difficile à dire d'ici. Tentons d'avoir une meilleure vue d'ensemble. Une créature, soit on la nourrit, soit elle nous nourrit. Je préfère la deuxième option. Entrer dans la tente. Je ne me souviens plus si j'ai installé mes pièges à Campolar en haut ou à Campolar en bas. Qu'est-ce que c'était ? Ouais. C'était sensé. Vraiment ? Ouais, c'est bien. Tu veux finir ce que tu as pensé ? Allez, hop là ! Comme ça. Allez. Hop. Oh non. Par Merlin, on pourrait croire qu'il protège le ministre de la magie. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Oula ! Réparons. Voilà. C'est quoi équipement plein ? Ah bon ? Ah bon ? Même pas fait attention que c'était plein. Bon. Ouais, c'est un petit peu embêtant par contre. Moi, ça 60, je peux rien faire dessus, donc non. Pas le garder. Ouais, bof. Hop. Ça alors, par Merlin ? Ce sont des dragons. C'est une arène de combat de dragons. Je crois que c'est le Hall Magyar. Je comprends mieux d'où vient ce nom maintenant. Et pourquoi ces secrets ? Pas étonnant que les braconniers passent tant de temps à Préola. Ils doivent prendre des paris et parler de leur combat, vu le monde qu'il y a ici. Comment ils peuvent trouver ça amusant ? Je comprends pourquoi les centaures méprisent les sorciers. Il doit y avoir d'autres dragons ici. Les braconniers sont bien trop cupides pour gérer une arène avec seulement deux dragons. On devrait profiter que tous les regards sont tournés vers le combat pour fouiner un peu. Tu dois à tout prix éviter de te faire repérer.
bloquer. Je paye cher pour être une demi-quise en ce moment. Je ne sais pas ce qui a pris à Victor de passer un marché avec eux. Juste Valus. Équipement. Ah. Ah, attendez, parce que j'ai récupéré des trucs qu'il fallait pas. Tout ce qui est vert, je supprime. Non, pas ça. Équipement, j'ai. Ça, c'est vert. J'en veux pas. Hop, ça c'est vert. Même si ça me fait gagner, c'est vert, j'en veux pas. Hop. Hop. Voilà, ok. Allons voir par là. As-tu des nouvelles de ta famille? Est-ce que l'un de tes frères pense comme nous? Vont-ils nous rejoindre? Ah, ils disent que nous allons trop loin, que nous n'obtiendrons rien par la violence. Ah, moi, je dis que si on pourfendait jusqu'au dernier sorcier d'un coup d'épée, alors la violence me donnera précisément ce que je veux. Peur de m'affronter? C'est gentil, toi, de passer. Hop là. Rapide, efficace. Ouais, c'est par là. Ok. On en profite. Hop. Il faut attendre au moins une semaine avant de poursuivre. Ah oui. Ah, tu as entendu ces gobelins? Ranrok et les braconniers doivent être associés. Copy. Il se passe quelque chose derrière toi. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas? Je pense qu'ils viennent de la capturer. Elle ne se laisse pas faire. Ce n'est pas très équitable, vu comment elle est enchaînée. Bye. Alors, allons l'aider, d'accord? Allez, c'est parti. Regarde, ils ont un œuf de dragon. On dirait un noir des hybrides. On ne peut pas le laisser là avec ce qu'il prévoit d'en faire. Hop. Voilà. Allô, Mora. Ok, on va le libérer. Voilà. Mystère. Très bien. J'ai l'œuf. C'est bon. L'effet de surprise nous fera gagner seulement quelques secondes. Ils vont le regretter. Bon, allez. Peut-être qu'on s'occupe d'eux, hein, quand même. C'est par là. Non, c'est pas par là, c'est par là. Mince. Attention.
en même temps, je n'avais pas vu. Ouais, non. Tiens, prends toi ça. Tu aimes les jeux, pas vrai? Ouais, ça fait mal. Non, pas du tout. Allez, viens, par ici. Allez, prends-toi ça. Hop. Voilà, ça s'est réglé. Toi, oh. C'est toi que je cherchais. Je vois que tu as amené une amie. Et si... Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est chaud. Allez, prends-moi. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai honte pour toi. Réducteur. Réducteur du vélo. Et... Oh, boum, boum, boum. Aïe. Allez, explose. Oh là 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 là. Et c'est quoi? Mais ils font super mal. Je pensais que tu ferais mieux. Oui. Le champ. Attention à ne pas. Allez. Bam. Hop. Mais il est pas rien sur vous.
Je crois qu'on va bientôt le savoir. Oh oh. Copain. Bonne heure. On a tout cassé encore. C'était un noir des hybrides. Je suppose que l'œuf est celui de ce dragon. Je ne crois pas qu'elle sache qu'ils avaient son œuf. Elle ne serait pas partisan. On fait quoi maintenant? Ce n'est pas comme si elle nous avait laissé sa carte de visite. Je ne sais pas. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui était inattendu. Les gobelins, l'arène de combat. Et je n'aurais jamais pensé me retrouver avec un œuf de dragon. Et les braconniers nous ont vus, ça n'augure rien de bon. Bah, on va se faire une omelette. Allez. Puisque le dragon qu'on a libéré s'est envolé, est-ce qu'on peut garder l'œuf? Je préfère qu'on le garde plutôt qu'il soit entre les mains des braconniers. Du moins pour l'instant. Mais je ne crois pas qu'on devrait le garder indéfiniment. On ne pourra pas le cacher au professeur Weasley très longtemps. Certes. Ça ne sert à rien de rester ici. Mettons-nous en sécurité. On réglera ça plus tard. Tu as raison. S'il y a quelque chose que les braconniers maîtrisent, c'est bien la traque des proies. Et c'est ce qu'on est pour eux. Fais attention surtout. On se retrouve au château. Ok. Allez, niveau 28. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le coin? On a ça, source de magie ancienne. On a un village. Hop, on peut peut-être aller au village déjà. Il est par là. Il est temps d'apprendre le sortilège de métamorphose. Ah, lorsque vous aurez terminé vos tâches, qui s'avéreront certainement utiles pour remplir votre guide du sorcier, venez assister à mon cours pour apprendre ce nouveau sortilège. Ensuite, nous discuterons de vos progrès de ce trimestre. Ça marche. Je me demande qui y vit. Revelio. Alors... Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Oh, présentoir, cœur de grenouille, pas mal. Ok. Bonjour, auriez-vous un moment? Oui, mais pas longtemps, malheureusement. La boutique me prend tout mon temps. Je suis la nouvelle propriétaire. Indira Wolf. Alors. Qu'avez-vous à vendre? Oui, tout de acheter. De quoi avez-vous besoin? Ah, il y a pas mal de choses en fait. Hein. 250, sont... ok. Il va falloir s'en rappeler de ça. Hop, alors tout ce qui est vert, on vend. C'est exactement ce dont j'avais besoin.
Merci. Ça, c'est quand même moins bon. Je sais plus après. 62, 65. 69. C'est un petit peu mieux, 69. Dégâts infligés par les inférieurs réduits. Ok. Non, je vais vendre celle-là. Bon, ça c'est moins bon. Ça c'est pas mal. 64, 58. Oh, c'est quand même mieux. Ouais. Hop, ça c'est moins bon. 71, ok. 63. Ouais. Ok. Bon, on va avoir un peu vidé notre inventaire. Merci de votre visite. J'espère vous revoir bientôt dans ma boutique. Merlin Soiré, le fangeur incontrôlable n'est plus un noble âme de la... Oula! Une noble âme l'a finalement abattue et nous retrouvons enfin la paix. Je crois que la région n'avait pas connu pareil fléau depuis le règne d'Emeric le Hargneux. Ok. Bon. Bah, je crois qu'on va arrêter la vidéo là. Une vidéo un petit peu plus courte que les autres. Mais on a quand même bien avancé. Rébellion. Au niveau de l'histoire... Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. Au niveau de l'histoire, surtout. Donc, ouais, je pense qu'on va arrêter ici. Il y a un petit coffre à trouver là. Ok. Bah écoutez, on continuera sur la prochaine vidéo à progresser. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Moi, de mon côté, je vais essayer de faire quelques petits objectifs à droite à gauche. Et puis, bah, on verra après. Ah, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, à laisser un commentaire, à partager la vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Portez-vous bien. Bye bye!